Hey, salutations à tous, c'est Genèse du Malamette et bienvenue à l'exploration numéro 105 sur le jeu Knight vs. Giant The Broken Excalibur sur Xbox Series X. C'est quoi en fait ce jeu? C'est un jeu qui est développé par le studio indépendant Gambir Suzu, que je ne connaissais pas. C'est publié par P-Cube. C'est genre action-aventure, je dirais. C'est un jeu uniquement. C'est disponible depuis le 4 octobre, donc ça fait pas très longtemps. Sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series. C'est disponible en version téléchargeable seulement. Langue des dialogues en anglais, langue des menus sous-titres anglais-français. Bon, là, le scénario est quand même assez long, fait que je vais essayer de lire ce que j'ai reçu, en fait. Là, c'est juste pour nous mettre en contexte, en fait, c'est que au cours de leur quête du Saint Graal pour le vénérable magicien Merlin, les nobles chevaliers de la Table Ronde libérèrent accidentellement le calamiteux géant du vide qui se déchaîna sur Camelot. Le roi Arthur et ses chevaliers se lancèrent vaillamment au combat, mais évidemment, ils n'ont pas fait le poids puis ils furent rapidement anéantis par la terrible créature. Donc, les protecteurs du royaume étant été tués et l'épée légendaire d'Excalibur brisée, Merlin a décidé de tirer un puissant sort afin de renvoyer le géant du vide dans la dimension astrale d'où il vient. Pensez un peu le combat de Gandalf contre le Balrog, par le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est ça. Mais, comme dans tout bon jeu médiéval, malheureusement, tout ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Le royaume tout entier est entraîné avec la monstre. Ça fout un beau bordel, finalement. Donc, ne pouvant ressusciter qu'un seul chevalier, Merlin ramène à la vie le roi de légende et le charge de 23 aspects colossaux de l'âme du géant du vide. Ça, je me dis que ce chevalier-là, ça va être nous. Donc, pour compliquer les choses, les citoyens du royaume ont été dispersés dans toute la dimension et Arthur doit tous les sauver avant que Merlin ne puisse ramener tout le monde à la maison. Voilà! C'est un peu long, mais ça met la table pour le prochain jeu qui suit. Ok, donc je vais aller dans ce remerciement, ok, c'est bien. On va aller dans option, audio, ok, j'ai abaissé un petit peu la musique d'avance parce que c'était très fort. La musique est bonne par contre. Habilité, ok, activé, langue française, attaquer en maintenant enfoncé. Montrer la barre des points de vie, indicateur de l'ennemi, ouais. Mode invincible, non, pas vraiment. Ça serait quoi le mode invincible? Je veux dire, tu passes le jeu sans mourir, il n'y a pas de challenge, c'est plate. Attaque de base, compétence, on a esquive. Ok. Bon, c'est parti. Ça ici, je vais l'effacer parce que je voulais juste savoir si le jeu est offert en français ou pas. Fait que... Bon, on commence. King Arthur need never know that I'm to blame. That it was I. C'est-tu moi ou. J'ai pas tout compris qu'est-ce qui s'est passé. Là. Là, j'aimerais juste comme. Ok, bon. Pourquoi le jeu s'est mis en anglais? C'est bizarre ça. Ok. On va recommencer ça là. Je sais pas pourquoi le jeu s'est mis en anglais, mais bon. On fait ça comme ça. Là, je vais l'effacer. Je vais être sûr, je vais retourner les options pour être sûr que c'est vraiment en anglais. Ok, ça reste en français, c'est bon là, on est d'accord. Sauvegarde. Bon, enfin on l'a. That it was I who unleashed the abomination upon Camelot. That I am responsible for the destruction of his kingdom, that the noble blood of the knights of the Round Table is on my hands, and mine alone. Oh, but no, this is no fault of mine. It was the knights who meddled with a power they did not, nay, could not comprehend. A power that was mine by right.
And for their folly, they now lie dead. The kingdom is... the less said, the better. And I'm saddled with fixing the whole mess. Why is it always me? Why? It began with that accursed ruinous artifact. The Holy Grail. The knights were to bring it to me. How was I to know that gaggle of blundering brutes would jab it with their stabby sticks? How, I said. I suppose in hindsight, perhaps I could have warned them of the dangers. But I digress. Behold, a great beast emerged from the Grail, birthed by the void itself. So what? Said I. No biggie. And then it began its terrible work. It cut through the knights as a hot knife through butter before turning its gaze upon Camelot. Fiddlesticks, said I. Yes, biggie, because I happen to live there. We've all read the tales. The valiant hero in shining armor swoops in to save the day. This is no such tale. Even our stalwart king paled before the might of the void. Thus it fell to the great and magnanimous Merlin, who imposed his mastery over the Grail and returned the void giant from whence it came to the black firmament betwixt the stars, the astral dimension. Of course, nothing in my life has ever gone to plan. Why is it any different? Camelot was funneled into the astral dimension as well. The knights of the round have fallen. Yet I have the power to return just one. So, it falls to you. Arise. Arise, King Arthur. Raise high your blade. Restore the glory of Camelot once and for all. Once and for all. Ok, bon. On peut commencer à jouer après ce long préambule. Moi aussi, je suis capable. C'est le sirop. I said, arise, King Arthur. Je suis debout, là. C'est... Qu'est-ce que tu vois pas? And restore glory to... Five more minutes. The glory of Camelot cannot tarry even for five more minutes. Up now, I say. Fine, fine. What? Did I drink too much last night? I regret to inform you that is not the case, Your Majesty. You died. Ok, d'accord, je suis mort, mais tu m'as ramené la vie. This doesn't look like hereafter. Your time has not yet come. Regrettably, the same cannot be said for the Knights of the Round. They have fallen. My knights have fallen. And furthermore, it appears my resurrection spell has dumped you some. You resurrected me? Ugh, it's starting to come back to me. That giant. Did you resurrect my knights as well? It's not so simple as that, sire. For the moment, focus on getting your bearings and restoring your... can you walk, sire? You will need to find a way out of the forest and back. Et surtout de me trouver une épée qui a du bon sens aussi, pas juste un morceau d'épée. Hein. Ah, les mouvements sont fluides. J'aime vraiment la direction artistique du jeu. C'est vraiment beau. Merlin, I can't get through this crag. Try to dash over the ledge, Your Majesty. Depuis quand lorsqu'on roule, on peut monter. C'est un peu bizarre. Là.
En tout cas, voici ce qu'il me dit là. Good. I think you can use that move to dodge an attack. I keep trying to find the exit. Moi, personnellement, je suis jamais roulé en montant, mais bon, c'est une nouvelle option, j'imagine. On peut se téléporter. D'accord. Bah, mes premiers ennemis, mais oui. Is that rock moving? It doesn't seem friendly. Merlin, why is the rock not friendly? I think the magic of the astral dimension is astral dimension. Merlin, where am I? UCI. Ouch. Okay, save the exposition for later. The rock is hitting me, Merlin. Your Majesty, what has happened to Excalibur? Excalibur is broken. I think it broke when that giant... We can fix Excalibur once we've regrouped. For now, attack the monster and protect yourself, Your Majesty. Eh oui, avec Harry. Merlin, you had better be able to explain why the forest has come to life, and OK, avec des sphères vorées et des sphères violettes, donc Là, ça a amélioré le royaume Excalibur, tu sais, ok. Donc ça, c'est comme la monnaie du jeu, finalement. D'accord. Your Majesty. Là, on est au camp, tu pourrais me redonner mon épée, non? I sense a mighty presence. Ben. Quoi, c'est ton spirit qui passe pas? Ah ben oui, c'est ça, je vais me battre contre ça, moi, avec un morceau d'épée. My memory is hazy, but you're the one responsible for this. I will make you pay. Ta barnane, il est pas petit, hein? Planteras giga. Okay. No need Plante gigantesque, j'imagine, ça veut dire en latin. Actually, you don't look like you have anything inside that mossy head. Your Majesty, I'd advise against provoking the, Je voudrais le battre comment, moi, avec mon épée? Holy mathematics. Ouch! You must flee, sire! King Arthur of Camelot, done. No, you cannot die of me again! You are just about in range, sire! Here we go! Qu'est-ce qui s'est passé?
What happened? Is this... Ok, fait que ça, c'est le tutoriel, dans le fond. Ok. Your Majesty! Ah, Merlin est là. My teleportation spell works. I'm so glad. It's not like you to be so doubtful of your ability, Merlin. Don't your spells always work? On Earth, yes. What in the name of the architect's holy calculations do you mean? This is Camelot. Ils ont les expressions, eux autres. Yes, Your Majesty. However, I hate to inform you that Camelot is no longer on, please. Look around. Merlin, where are we right now? Welcome to the astral dimension, my king. I calculate we'll be here for a while. What? I'm sure you have many questions. Yes, but we can't dilly-dally with your theories. A giant resides just outside of Camelot's border. I need to get back there and defeat it. Very well. Before you go, I implore you to approach the Night Statues. If you have any more questions, approach me. And the knights may be dead, but they might still be able to help with your broken blade problem. Certain, oui, effectivement. Pourquoi qu'il y en a qui sont recouverts? Sort là qu'il y a plus de voix. C'est juste du texte. Ah, ok, il y a des choix de réponse dans les textes, c'est bon ça. Ah, c'est quoi, les choix de questions, les choix de réponse. Il y en a beaucoup de textes, hein? Je m'attendais pas qu'il y en ait autant.
Pas long, il va y avoir de l'action à un moment donné, j'imagine. Ben là, on parle. Ok. Évidemment, il y a un épouvantable pour aller le tester. Fonctionne bien. Mais là, il faut que je retourne dessus, je suis venu. Il faut que je parle avant, peut-être. Fait qu'il y a 3 géants. Oh. Beaucoup de travail. Je pense que le dernier jeu mettant ta vedette le roi Arthur et tout ça, je pense que j'avais joué sur Xbox à l'époque, la première du nom. Puis ça avait rapport avec le film.
semble que c'était ça à l'époque. C'était sur 360. Sur 300, sur Xbox en régulière. Ouais, j'ai un petit coup d'œil, mais ma mémoire me semble que là-dessus est dans le bon chemin. Ouais, c'est ça. C'est publié par Konami. Ah oh, ouais, ok. En 2004, ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué à un jeu mettant en vedette le roi Arthur. Et effectivement, ça va rapport avec le film parce que la jaquette, c'est comme le film en fait. Donc, ouais, c'est ça, exactement. Ça, je m'en souviens un peu. Bon, je peux-tu comme arrêter de parler pour aller me battre là? Je veux tuer les gens. Bon, ok. C'est parti. On peut couper des arbres. Intéressant. On trouve des trucs intéressants là-dedans, hein, ou rien du tout. Bon, là, t'as pas grand-chose. Continue mon chemin. Oh! Ça sent la piscade. Oh, il y a différents ennemis. Les insectes volants comme dans Fable. The round table. What happened to it? You found the round table in the middle of the forest. Can you ça, interact oui. with it? On va descendre en deux secondes. What did you see? My king. The holy insignia of my knights. I reached out to one of them, and I feel a surge of power in A blessing. Could it be... Could their souls have become bound to the table? Explosion? I will explain later. But if you found other round tables, it might be a good idea to interact. You can access the blessing of the knights and make your sword stronger. Got it. Bon, là, faut que je décide. Augmente les points de vie maximum. Lance des PA de plus 4. Portée des attaques plus 10%. On va commencer avec ça. Mon épée est complète quand je donne des coups, mais visuellement, lorsque tu es au repos, j'ai encore juste un petit morceau d'épée dans les mains. C'est un peu bizarre, ça. J'ai rien oublié ici. Ok, fait que je vais aller vers la gauche. Encore des ennemis, bon, parfait. Oh, il y en a plusieurs. Bon, des champignons qui attaquent. Il est où Gargamel quand on a besoin? Avec les fontaines, ça donne de la vie, parfait.
Ça, on s'en doute un peu, sinon ça serait trop facile. Je pense que je vais utiliser la fontaine pour que les ennemis vont arriver. On a rien à boire, c'est que... Je suis plein. On va oublier le projet pour l'instant. Je reviendrai plus tard, j'en ai besoin. Bon, c'est ça, les portées secours des habitants de Camelot dispersés aux quatre coins de la dimension astrale. Ça va peut-être utile pendant votre aventure. Ok. Eh, le forgeron. Il va m'aider pour mes armes, j'imagine. Bonjour, monsieur. Trébuchet. Bon. Pas trébuchet, non, trébuchet. Ben, c'est ça, c'est le forgeron de service, c'est ce que je pensais. Bon. Ok, puis maintenant je vais m'en servir, il arrive quoi? Ok, bon. Pas grand chose pour l'instant. Quand même, hein, elle prend quand même quasiment 20 secondes à recharger la capacité. Es-tu pas Paul? Bon, voilà. Tiens, un autre chevalier, je pense. Statue of Lancelot in the middle of the woods. C'est de Lancelot. Lancelot, you can talk through this statue. Courtesy of me, of course. J'ai pas. Il me semble que j'ai rencontré lui tantôt, non? Dans la première zone. What is this affront? Twice, I just commissioned the statue. But you arranged to scatter them throughout the realm. In the likely event of the knights. That silence is so. Okay, no, okay. Améliore les dégâts critiques. Génère une zone chargée en électricité. Améliore la probabilité d'infliger des dégâts critiques. Mettre de la vie un petit peu. Voilà la fontaine de jouvence. Voilà. J'ai juste perdu 2 points, mais 2 points c'est 2 points. Table ronde.
Ça pourrait être pas pire, ça. Ça pourrait être bien. Bon, ça c'est qui ça, Catherine? Oh, regarde. Bon, ok. Ah, là, c'est pas si mal comme petit jeu, là. La direction artistique est vraiment belle, en tout cas, ça faut leur donner, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de textes, donc, tu sais, on apprend beaucoup avec l'histoire en lisant. Ça, c'est dans mon style de jeu aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça. Mais moi j'aime ça, fait que ça fait pas juste un petit jeu. Big Bang rentre dedans, là, tant pis pour l'imprudent. Il y a du texte, une histoire, des capacités, plein de choses, au moins, à date, là. C'est quand même bien. J'aime ça. Pas celle-là, ma chère. Ça t'a manqué ton coup, celle-là. Elle vient de l'au-delà. Bon, qu'est-ce que tu vas me donner, toi? Vous pouvez recevoir ma bénédiction en échange d'une possible malédiction. Ok. Réduis les... J'ai pas le temps de lire. Ça a été trop vite. Bon, ok, je vais aller voir dans le menu là, qu'est-ce qu'il y en a parce que... bon, ça c'est bien. Ok, donc elle m'a donné ça, mais j'ai ça aussi en échange. Fait que je suis tombé de 16 à 12. Ça, c'est moyen, par exemple. J'ai déjà pas beaucoup de points de vie, tu m'en enlèves. Pas très gentil, ça, Morgane. Ça vient en groupe, hein? Ils sont pas tout seuls, hein, les amis. Encore! Oh, ok, zone nettoyée. Une statue encore. On m'a dit combien que j'ai. Ok, ouais. J'ai 97 pièces dorées et 113. Mettons, or mauve, on va dire ça de même. Rebonjour Lancelot. Améliore les dégâts infligés. Ok. Coup de tonnerre interdit les ennemis. Lorsque l'ennemi frappé, les éclats sont lancés au monstre. Oh, peut-être intéressant ça.
Fait qu'à date, j'ai toutes ces capacités-là. Ça en avait quand même pas mal. On se réveille, monsieur géant. Oh oh. Bon, j'arrive à une bosse, je pense. C'est là que ça se passe. Évidemment, il est pas tout seul. Aïe 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 aïe. Mais il est pas commode. Faut mourir. Ok, là, c'est entre moi plutôt. Ah merde, je suis mort. Ouais, pas évident, hein? Je suis pas vraiment fort là. Sincèrement là. Bon, retourne au royaume. Amélioration disponible. Hey, vas-tu vraiment quand je me retape tout ça ou il va y avoir téléportation, mettons? Bless the architect. Am I? It looks a lot like Camelot. Do you yearn death that much? Oh, blast. Well, that was a... There is no way you're going to pass the architect's... Best you can get is 1024 years. Ben oui, je suis très chanceux, effectivement. 1024 années de prison, y'a rien là. Anyway, I resurrected you again, obviously. Your duty to your land is... Figured that. Ah, le forgeron est là. Fait que là, je vais pouvoir améliorer mes choses. Ok, fait que faut que je retourne toujours... dans le fond, ben, dans l'espèce de mini... base, on peut dire. Là. Fait que là, je peux-tu comme... c'est ça, améliorer mon arme ou est-ce qu'on l'a réparé? Je vais aller voir ça. Ok. Ça l'a pris. Okay. Bon. Toi, qu'est-ce que tu dis? Comme la carrière, ok. Faut que je trouve des ressources pour... C'est où c'est écrit en... Qu'est-ce que c'est ça? En quelle langue c'est écrit, Calvas? Il y a un petit bug ici, là, parce que mission... explorer, en tout cas, on va dire ça ici, là, j'imagine. Fait que tout ça, d'après moi, faut que je rebâtisse ça au fil du temps. J'imagine. Ouais, ça ressemble à ça un peu. Ok. Faut tout de suite que je me retape les zones que j'ai faites. Ou ça va déjà être fait, puis on va me téléporter. C'est un genre de roguelite, c'est ça? Quand tu meurs, tu recommences tout. J'ai l'impression que c'est ça, c'est un genre de roguelite ou je sais pas trop là. Pourtant on me parlait plus d'un jeu d'action-aventure, ben, en tout cas. Je peux dire ça de même là, mais...
Ouais, c'est catégorisé comme un jeu d'action-aventure, mais... C'est ça, c'est un roguelite d'action et de fantasy. Ok, bon. C'est bon à savoir. Précision canine. Améliorer mon arme comme ça, j'ai pas le choix. Bon. Là, j'ai rien oublié, là, je peux repartir dans l'autre zone. Pas vraiment, tu sais, je trouvais que le jeu était bien, là, mais de savoir maintenant que c'est un roguelite, là, je suis pas très très roguelite, moi, dans la vie. Là, je tombe à attaque plus 20 au moins, c'est bon. Cécile me dit c'est pi, mais c'est pas ça. Bon, il reste dans notre base. Ok. Oh, y a pas de façon de dire ça.
La fontaine de Jouvence, ok. Ça, je la prenais pas tout de suite. Ça, ça peut être intéressant. Là, je pense à 20. Parfait. Puis je vais les remplir. Je vais retourner à l'autre zone à côté. Fontaine de Jouvence. Merci. Bon, un autre boss. Ok, mais... Ben, c'est dur. Je suis jamais assez fort pour les battre. Ben oui, hein, évidemment. Ça n'a aucun sens. Ça! Voyons donc. King, please. I implore. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais c'est quoi ça? C'est écrit comme en italien, je sais pas trop quoi, puis juste pour être en français. Voyons donc.
Ça, je m'excuse, mais c'est un peu niaiseux. Plus de batterie dans ma manette, ça va très bien. Ok, donc ça. Mesure, la main pressoir, ça sert à quoi ça? Sac. Bon, en tout cas, j'avais vu juste ça, c'est vraiment faux. Restaurer l'espèce de village au complet. Oh, lui, peux-tu m'aider finalement là? Oh! Randai, tu sais, 2.9 dégâts 61. Ok, je vais prendre lui, là. Il y a plus de dégâts. Mais je suis déjà équipé. Ok. Toi, tu veux-tu dire quelque chose? On y retourne. J'ai l'impression que j'étais un peu plus fort que la dernière fois. Je m'améliore en ce sens-là. Mais oh, un trésor! Tiens, tiens, tiens. Joueur de flûte. Bon. Un nouveau personnage. Bon.
Sauvez vos vagues d'ennemis. Défi relevé. Avec succès. Juste ça. Ça m'a juste donné ça. Bon. Un petit peu d'argent de plus au moins. If you don't answer me this instant. Sire, just kill him. But he's clearly dangerous. Excalibur just passed. Impossible. What do you mean? What are you? Bon, je peux pas le tuer, je peux pas le ramener. Perso Assam. Ouais. Une potion, tiens, tiens, tiens. Et c'est cher, mais ça vaut la peine. Ouais. Ça. Avec lui, je peux pas le ramener non plus. C'est juste comme un marchand. Bon, faut que j'amène sur mes pas parce qu'il n'y a pas d'autre ouverture. Yeah.
Ah là, j'ai une attaque de 100. Ça va être un peu plus fort, je pense. Encore celui-là. Ok. Je suis fatigué avec ça, lui. Si t'as pas ces ronds par terre, je pense que je serais capable de le battre. Je l'ai battu. Tiens. Enemies are bigger here. There's this rock machinery though. Not unlike the portal that you used. I see. And do I have to walk there? Why? Do your little do you comprehend who you're talking to? Yes, my king. You can use the portal. None of your assurances are particular. Ça veut dire qu'à 5 points de vie, je serai pas long. Surtout pas que des nouveaux ennemis. Aïe 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 aïe. Ah, mais je l'use quand même. Ok, c'est pas si mal. Sauf que là, ça me prendrait une pointe de jouvence plus vite parce que. Hey boy. Ok. C'est vrai, j'ai des ressources moi par exemple. J'avais acheté des poissons tantôt. Ben ouais, mais c'est où mes poissons? Même sort, ça. Ok, fait que la poisson, elle se donne automatiquement. Je peux pas la stocker, c'est un peu niaiseux. On se calme. Là, j'ai beau continuer, mais on s'entend que. Je suis pas taille à affronter un autre boss. On va dire ça comme ça.
Attends, je fais ça de même. Ok, ça me ramène au point de départ. Fait que j'ai pas le choix, faut que je continue mon chemin. Tant que je bats pas un boss ou j'entourne au village, que je suis mort. Ah oui! Merci. Ça sent le boss. C'est pas celui du début, ça? Ben oui. C'est celui qui m'a sacré toute une volée au début. Hey, je suis tellement tout petit contre lui, ça n'a juste pas de sens. Et je fais pratiquement pas de dégâts. Ouch. J'avais pas mal de vie, mais bon, pas assez ça là. J'étais pas encore assez fort. Ça, je trouve ça tellement dommage, là, le bug, là. C'est écrit comme, je pense en italien ou je sais pas trop quoi, là, mais en tout cas. Ça, à la limite, c'est un peu niaiseux, même. Bon, toi, tu peux faire quoi, là? Améliorer Lancelot encore? Ok. Je suis rendu au niveau 5. C'est bon. Là, je vais voir mon petit monsieur ici. Là, qu'est-ce que je peux améliorer? Ça. Ah, j'ai pas assez d'argent. Alors, j'ai juste 39. Bon, ouais, le jeu il est bon,
Mais j'étais un peu déçu parce que je m'attendais pas que ce soit un roguelite. J'aurais dû mieux lire. Ça avait l'air plus d'un jeu d'action-aventure. Mais c'est comme. C'est somme toute intéressant. Sauf que moi, la seule affaire d'un roguelite que j'aime pas, c'est toujours de recommencer. Mais là, vous avez vu, là, bon, j'ai gagné en puissance, puis j'ai battu quand même un boss, puis je suis en train de quasiment d'en battre un autre. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais quand même. C'était somme toute intéressant. Même je suis pas un fan de roguelite à la base. C'est vraiment pas mon style de jeu favori. Par contre, c'est un bon petit jeu. On va essayer de voir ce que ça va donner. Parce qu'il faut que j'en fasse le test, évidemment. Mais c'est ça. Fait que. Il y a juste l'espèce de bug d'émission que je vais contacter le développeur pour demander écoute, c'est normal? Parce que moi, ça marche pas. Là. Jouer en italien ou je sais pas trop quoi. Là. Un dialecte que je suis pas trop sûr de la langue. Fait que. Mais. Autre ça, sinon le jeu il est bon, l'histoire est bonne. Beaucoup de texte quand même, il faut vraiment aimer lire. Mais c'est ça, j'ai dépassé ma limite d'habitude, là, je fais environ 45-50 minutes, là, j'ai 1h20, ça veut dire que je me suis fait prendre dans le jeu. Mais quand même, c'est ça. Fait que c'était Jedi du Nord pour explorer le jeu numéro 105 sur le jeu Knight vs. Giant de Broken Excalibur sur Xbox Series X. Alors, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch Jedi du Nord, sur notre chaîne YouTube Factor Geek, c'est le site de FactorGeek.com aussi. Vous pouvez nous envoyer un commentaire, une suggestion au FactorGeek@commercialjedi.com. Il y a nos médias sociaux aussi, Twitter, Facebook, le FactorGeek, mon Twitter personnel aussi, Jedi du Nord. Et il y a notre podcast aussi qui s'appelle l'Assemblée Vidéoludique, qui est trouvable sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts audio et en version vidéo sur notre site FactorGeek.com et sur notre chaîne Twitch YouTube aussi. Twitch et YouTube, c'est ça que je veux dire, de FactorGeek. Voilà. Donc, c'est somme toute une aventure intéressante que je vais approfondir, puis je vais vous pondre une belle critique au courant de la prochaine semaine, donc voilà. Donc c'est tout pour moi, donc les quatre choses toujours à retenir dans la vie les plus importantes, hein? L'amour, la paix, la santé et surtout les jeux vidéo. Donc voilà, donc merci, on se donne rendez-vous à la prochaine, au revoir!